On m'a dit vends ton cul ce soir, donc c'est ce que je fais. Voilà, le premier qui fait un tips, eh ben je couche avec. Regarde-moi, j'ai une belle jupe. Ah bon? Ah t'as mis un jupe toi? Attends, mais je peux te montrer la mienne aussi, ma louloute. Regarde, tu sais quoi? La dernière fois, j'étais en course avec ma maman. Je me suis trouvé le petit haut et j'ai mis une jupe. Oh, trop sexy! Et mon fauve, il est en train de se casser la gueule. Je te dis même pas comment c'est le bordel. C'était trop beau. Oh, il m'a regardé, il m'a fait la bise. Oh, je te dis pas, je me suis pas lavé pendant 3 jours. Ah, oh, je te dis de suite, moi. Oh, coquine. La dernière fois, il m'a dit... Mais moi, j'ai 17 ans et je suis parti à Taïwan pour ma profession parce que ça marche bien là-bas. Les premières qui se tiennent ici, c'est des Bulgares. Hein. Tout sur la gauche, vous pouvez avoir quelques Africaines. Et là, sur l'avenue de Sèvlin qu'on va prendre maintenant, ben, c'est tout des... principalement des Roumaines. Alison, c'est ma copine à moi. C'est ma copine. Moi, c'est Émilie. Parce que elle s'appelait Émilie Jolie. Je veux des détails croustillants là. Ça dans les buissons là, c'est magique. C'est magique. Il y a même Mickey qui fait son apparition avec les deux grosses oreilles. Moi, j'ai déjà fait ça dans un champ de maïs. Le problème, c'est que dans le champ de maïs, bah, ça te chatouille quand même au bout d'un moment quand tu te fais griller par le fermier. Ah, mais de toute façon, quand tu t'es grillé tout court. Eh, comme on dit, on passe à la casserole à maman. Alex, t'en fais pas. En tout cas, mon Alex, ça va bien, mon petit Alex. Je suis pas bien, mec. Mais si. Allez, fais pas. Mais tu dois venir vérifier là ce qu'on a. Eh, la dernière fois. T'as pas fait attention à moi, Alex, mais la dernière fois, t'avais une selle et tu tenais avec une de ses mains. Je peux t'assurer que ça m'a fait vibrer. Tu m'as dit, suivez la lumière. Je me suis senti dans la lumière. J'ai cru voir l'orgasme imminent arriver. Non mais tu t'imagines. Attends, tu sais qui c'est qui m'a offert cette bague? Ah, c'est Jobert. Non, j'hésitais entre Jean et Robert et du coup ça fait Jobert. Du coup je vais l'appeler Jean Robert. Elle si. Si vous voulez, il y a El Pistolero qui sera intéressé, enfin qui sera peut-être intéressant. Ah, El Pistolero, le petit cowboy avec son petit pistolet. Dans la friend zone, mais t'auras accès à mon vagin. Je suis dans la friend zone. Mais j'ai reçu ton message. Honnêtement, ça, c'est une merde. Hein. De quoi? Je vous explique. Le soutif, c'est une merde à mettre. Ah. J'en ai pas mis, j'ai pas poussé le vis. Ah, j'ai poussé le vis quand même. Je me suis dit, attends, je vais pousser ça le vis. Ça va, mon bin, ça. Oh putain, mais merde. Ah, quoi. Merci, maman, pour tes 400 centimètres. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite, dans le macadam, a besoin d'un Doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là?